Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on repart sur les Simpsons Springfield et je vais vous réexpliquer pour ceux qui n'ont pas compris comment obtenir le mode. Il y a des personnes qui ont pu utiliser BlueStacks sur PC, mais BlueStacks ne prend pas tout en compte, et notamment le hold item. Voilà, pour ma part j'utilise un module qui est extérieur directement à BlueStacks et à toutes les autres applis ou les sites que vous pourrez trouver pour obtenir les donuts. Et grâce au mode que je vous propose un pack à 20€ et un pack VIP à 45€ qui vous donne accès, déjà dans un premier lieu pour le pack à 20€, 10 millions en cash, 500 donuts et pas mal de personnages bâtiments et parcelles de terrain. Celui-ci vous donnera accès à pas mal de missions. Et pour le pack VIP, c'est exactement le même procédé, sauf que sur une semaine, je vous mets la possibilité de passer sur 2 jours. 2 jours d'affilée ou 2 jours espacés, ou peu importe, ça sera en fonction de vos demandes, où je me connecterai et au lieu de vous mettre 10 millions, je vous mets 20 millions cash, je vous mets 1000 donuts, je vous mets pas mal de parcelles de terrain, etc. etc. Ça vous donne accès à une possibilité d'avancer un maximum dans le jeu, puisque voilà, dans les Simpsons Springfield, des packs de donuts dans le jeu sont extrêmement chers pour ce qu'il en est, et c'est une possibilité infinie. Il y a des possibilités aussi d'utiliser un module extérieur au jeu et du coup au mode de base pour obtenir le hold item. Il y a des personnes qui ont réussi à avoir des 50K de donuts pour 20€, c'est tout simplement parce que l'algorithme du jeu est buggé et par moment quand je me connecte sur vos comptes ou quand une autre personne se connecte sur les comptes et qu'il est en train de modder, il y a un gros bug. Il y a la possibilité que les donuts restent et il y a la possibilité que les donuts ne restent pas. C'est pour ça que vous avez le petit livre rouge qui vous donne accès à pas mal de personnages premium, de bâtiments premium, en plus des personnages premium que vous retrouverez dans le pack de base. Et justement, je mets 5 pages. 5 pages, vous me direz, c'est pas grand chose, mais il y a quand même la possibilité, en moyennant 30 donuts par item du livre rouge, vous faites le calcul, c'est vite réglé l'affaire. Dans le jeu, de base, les donuts sont extrêmement chers, comme vous le voyez à l'écran. Et où justement, je passe sur le pack de 20€ minimum, c'est tout simplement parce que c'est hyper simple. Je prends tout ce qu'il m'est recommandé de faire et justement je mode la map. Et quand je l'ai dit, je fais pas les choses à moitié, c'est tout simplement parce que j'ai des clients qui viennent me voir avec une map 4, une map au niveau 4 tout simplement, et je les fais monter à des levels je ne sais combien grâce à tous les bâtiments et personnages premium. Bref, si vous voulez un mode et que vous n'y arrivez pas, je peux vous expliquer, mais tout ça en général c'est notamment sur les iOS parce que Apple ont patché absolument tous les mods sur leurs appareils tout simplement. Que ce soit sur Android ou d'autres modules, vous pouvez utiliser ce mode qui se trouve dans la description, c'est le mode qui est de base, vous pourrez le récupérer hyper facilement, il vous suffit tout simplement de télécharger l'application qui se trouve dans la description à la place de l'application que vous ayez actuellement, vous désinstallez tout ça, vous réinstallez, vous vous connectez au compte EA Games, vous attendez les mises à jour du jeu, les téléchargements des data et des données, et vous vous connectez au compte EA Games. Ensuite, ça vous donnera accès au panel avec les boîtes de donuts en illimité que vous pourrez récupérer et tout transférer directement sur votre iOS. Sachant une chose, c'est que les donuts ne restent pas. Comme je l'ai expliqué précédemment avec le bug de l'algorithme, étant donné que c'est un module qui donne des donuts en illimité, ils sont pas fous les bonhommes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les boîtes. Quand vous êtes connecté sur le jeu et que vous jouez, vous pouvez les utiliser en illimité sans problème. Mais dès que vous éteignez votre partie, malheureusement, vous perdez tous les donuts que vous aviez récupérés. J'ai des personnes qui ont pris des 104 donuts, qui m'ont appelé, qui m'ont demandé. Et malheureusement, ils ont tout perdu. C'est pour ça que justement, quand vous êtes dans votre partie, vous les utilisez un maximum. Vous stockez, vous posez sur votre map, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous vous connectez sur le compte EA Games de l'iPhone. Vous pouvez très bien rester sur l'un et sur l'autre en même temps. Mais vous ne pouvez pas jouer sur les deux appareils en même temps. Ce qui veut dire que vous êtes connecté sur votre Android, vous pouvez jouer modé, vous éteignez votre appareil et vous allumez votre iPhone, vous pourrez récupérer tout ce que vous aviez sauvegardé de l'Android. Voilà, tout simplement. En fonction de ça, pour ceux qui n'y arrivent pas, vous me rejoignez sur Snap, je vous aide, il n'y a pas de souci. Vous connaissez maintenant le principe. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à faire tourner l'information. Tout est inscrit directement dans le règlement du jeu, bien sûr, et du mode, puisque c'est comme pour les autres modes, il y a obligatoirement un temps à respecter et j'en passe. Bref, tout est écrit dans la description. Je vous laisse là-dessus. Merci à tous. Bye bye tout le monde.